Le classicisme est la vertu politique de résistance, les discours de rupture de la modernité. On ne peut pas être sur ce sujet comme on en est sur un musée d'art contemporain. D'une certaine manière, non pas de s'effacer, mais enfin en tout cas de rester très sensible, très sobre dans un environnement aussi fort que celui-ci, en utilisant ces bâtiments existants, mais aussi en raccordant ce projet aux grandes directions, aux grands axes composant le parc de Saint-Cloud. La clarté de la composition est défendue par l'enfouissement sous la ligne de flottaison de l'ensemble des complexités de ce grand musée. Une lecture très claire de cette belle composition classique. On peut justement jouer comme un jeu de Tetris avec le programme et avec ses grands volumes, ses petits volumes, ses volumes très hauts, ses volumes très bas. Le parti général, celui de l'équipe, c'est d'essayer d'utiliser évidemment les volumétries qui sont existantes tout en faisant coller le programme. Puisqu'on a trouvé des systèmes qui nous ont permis à la fois de conserver le bâtiment et tout ce qui fait sa qualité, son rythme, c'est très important en fait de garder une hiérarchie des espaces et une compréhension des espaces à travers cette hiérarchie. L'idée, c'est de coudre à nouveau le lien qui existait entre cette partie et le domaine en créant des accès qui permettent à la fois de faire un lien entre le domaine et le musée, à la fois à travers une restauration rigoureuse et puis à travers aussi l'utilisation des espaces pour le programme. Ce qui a dicté le parti général, c'est d'utiliser les volumétries qui sont existantes. C'est une articulation qui est extrêmement importante parce qu'avec une seule arête verticale, une colonne vertébrale en quelque sorte, on dessert l'ensemble du site et toutes ses fonctions. Quand on rentre dans un espace comme ça, il faut tout de suite être transporté. Cette élégance à la française, par des moyens technologiques essentiellement français, un savoir-faire essentiellement national, construit un argument complémentaire. Celle d'une main tendue à une mémoire historique, construit une main tendue, une filiation à une mémoire historique. Celle des bâtisseurs. Son intérêt, c'est la manière dont il va s'articuler avec le domaine, la manière dont la caserne va être construite, cette forme de terrasse. Et l'idée, c'était de placer un projet qui s'inscrive dans l'avenir, qui va finalement amener de la douceur, de la délicatesse dans un bâtiment militaire qui est quand même relativement robuste. Depuis le parc, on découvrira cette belle construction de mailles, de béton. On a les deux bâtiments existants qui sont là et qui sont immuables. Le belvédère est le moment pour construire un argumentaire. Attendre une architecture légère, attendre une architecture élégante. Qui crée le cadre. Et puis, il y a cette construction très légère, très horizontale, qui vient dominer le paysage très discrètement, sans imposer une forme architecturale trop autoritaire. Et attendre une architecture qui se solidarise avec une mémoire française, par le compagnonnage, par le travail des sachants, des maçons, des valeurs du travail. C'est aussi cette initiation qui construit, renouvelle la pertinence de l'ouvrage dans son temps. Un musée est politique. Ici, il s'agit d'un musée populaire.